aujourd'hui, je suis représentante du capital humain groupe. La maison mère étant au Maroc. Je suis responsable du recrutement. Madame Zoulali, responsable recrutement, partenariat, marque employeur du groupe Tigel et Wafa Bank. Nous sommes ravis d'assister à ce job dès aujourd'hui organisé à Super H. La Tigel et Wafa Bank est une multinationale panafricaine aujourd'hui installée dans 15 pays sur le continent. Et cette diversité que propose l'école Super H répond complètement aux attentes du recrutement en termes de profil et de compétences au sein du groupe Tigel et Wafa Bank. Voilà, c'est une journée où nous allons participer, rencontrer des talents, les conseiller également dans leur démarche justement de recherche d'emploi, l'insertion professionnelle, correction de CV, échange avec eux. C'est une démarche que nous faisons aujourd'hui régulièrement dans le cadre de notre politique RSE. Qui est très importante à nos yeux aujourd'hui. Et nous sommes ravis d'être là et de rencontrer tous ces talents qui sont aujourd'hui issus de 14 pays sur le continent africain. C'est un programme qui a été baptisé la première année par la première promotion. On a entamé la... Seda Biaba Ibtihel, Seda Jamaïa, Moudira Markaz Moukawalat Ifriqi, incubateur Subinov Africa. L'homme ou l'Iqa Tchiril Bimtiez, acteur Mentlatine Sharika. وشركاء ومؤسسات في القطاع الخاص جاوا باش يقابلوا طلبه حاملي شهاده البشلور والام بي اي في عده تخصصات الاي تي انفورميشن تكنولوجي تخصصات الرقمنه التسويق الاداره والتسيير وكذلك التجاره الدوليه اليوم هو اشاره خاصه ورساله قويه بان مجموع القطاع الخاص في افريقيا وفي العالم بان سوق العمل مفتوح ولازالت هناك قطاعات تحتاج الطلبه وتحتاج الشباب في سوق العمل اليوم ايضا هو لقاء تواصلي بامتياز تمكننا فيه اننا نجيبوا اكثر من 30 شركه تقابل ودير مقابله عمل حيه وانها تواجبهم بعروض عمل مناسبه. الفكره هو ان المؤسسه كتحاول دير مجهودات باش تكون وتشتغل على التكوين وتشتغل على لا كاليتي ديال التكوين ديالها في القطاع الخاص خاصه في شمال افريقيا افريقيا الوسطى افريقيا الفرنكفونيه. الهدف هو نكونوا قريبين من النموذج التنموي المغربي ونكونوا قريبين ايضا من تعليمات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. الفكره ايضا هو اننا كنكونوا جميع القطاع الخاص والقطاع العام نكونوا شباب رائد شباب مسؤول وشباب مواطن في العالم وفي المغرب وفي شمال افريقيا خصوصا. Capital Humain Group, nous avons une casquette groupe qui nous permet de recruter des étudiants issus des différents pays de présence. Amine Abdelmakhlouf, directrice générale du Technopark. Le Technopark est fier de participer à cette deuxième édition de Job Fair organisée par SUP RH. Notre objectif en tant que Technopark, c'est de tisser des liens entre le monde académique et le monde de l'entrepreneuriat. Au Technopark, nous hébergeons des centaines de startups qui ont des besoins en compétences. Et donc notre présence aujourd'hui dans ce forum, c'est de faciliter l'accès à ces compétences. À SUP RH, nous avons découvert des talents formidables. Nous avons aussi vu qu'il y a un parcours qui est dispensé par Super H et qui englobe non seulement les spécificités techniques d'un parcours académique, mais aussi des spécificités de soft skills, et ça c'est très important. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une occasion de sourcer les talents et les mettre à disposition à nos entreprises, faciliter cet accès aux compétences, c'est très important aujourd'hui.